présence des cactus, des figuiers de Barbarie, est essentielle. Les exemples qu'a trouvé Charles Darwin, puis c'est pour illustrer la théorie de l'évolution des espèces à la base de la sélection naturelle. Donc là, c'est un mâle, il est noir. Tous les pinsons ont des couleurs grisâtres, noirâtres, mais les pinsons de terre et de cactus ont. Donc les mâles sont tout noirs et les femelles sont grises. Et la base du bec est très large. Dans le cas du pinson de cactus, le bec est un petit peu pointu, donc peut pénétrer à l'intérieur des figues de Barbarie pour s'alimenter de la chair et puis aussi du nectar des fleurs. Jaune. Et cette iguane ne vit que sur cette île. Il y en a plusieurs milliers et donc une population qui se développe très très bien. Et les iguanes sont territoriaux, donc généralement les mâles ne se font pas très bon ménage et même les femelles en traitent. Le mâle est plus gros que la femelle, surtout les iguanes. Il a un cou beaucoup plus épais, qu'il peut gonfler aussi. Et pendant l'époque de reproduction, gonfler le cou, ça impressionne les femelles et les autres mâles aussi. Et il a une crête avec des épines beaucoup plus grosses, alors que les femelles ont des épines très courtes. Les femelles sont plus obscures à cette époque-ci parce que ce n'est plus l'époque de la reproduction, mais elles deviennent aussi jaunâtres quand c'est l'époque de la reproduction. Et la crête, pratiquement, est très très courte, n'occupe que le cou.